Alors, vous attendiez autre chose de la part de Gilles Simeone à la veille de son initiative politique? On attendait un comportement d'homme d'État, de président, et pas un comportement de chef de parti. Aujourd'hui, la Corse a besoin de mettre en synergie toutes ses forces vives. Et il appartient naturellement, bien entendu, à Gilles Simeone d'incarner ce rôle de rassembleur, de fédérateur. Aujourd'hui, il choisit de rassembler les siens, de créer un parti de majorité très fort, d'essayer de faire la voiture balai et la machine à recycler les élus en déshérence de la Jacobi et de la Roccazeri. Nous le déplorons et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps plutôt de créer une ossature politique centrée politiquement sur les forces de toujours, qui sont constitués des autonomistes et des indépendantistes, qu'on ait un programme étapiste, qu'on puisse montrer à la France qu'on a une cohérence, qu'on a une stratégie, qu'on a une volonté, qu'on a des compétences et qu'on ait une feuille de route politique, qu'on place les idées avant les logiques électorales. Vous appelez à Cheta Patriote, c'est-à-dire un rassemblement de tous les nationalistes. Nous, on déplore que les nationalistes discutent par voie de presse, qu'il n'y ait pas un espace commun de dialogue, de construction, d'échange, de travail qui puisse permettre de faire avancer les choses et de constituer cette idée forte de la nation corse de demain. Gilles Simeone parle de reconduire pour les territoriales Péagour, Siga, au premier ou au second tour. Vous en êtes exclu, ça veut dire que vous irez au territorial seul ? On prend acte de la mise à l'écart du Renault. Il faudra qu'un jour Gilles Simeone y donne ses motivations politiques. Nous en rediscuterons. Maintenant, le Renault assumera son rang, sa volonté de faire bouger les choses en Corse. Et bien entendu, il apparaît aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité d'une plateforme politique regroupant ces fameuses forces vives issues de tous les rangs de la lutte patriotique. Et dans ces conditions, le Renault constituera une liste avec d'autres et une plateforme politique alternative qui sera une pièce maîtresse et contributive de ce que sera le projet politique pour les années à venir. On l'a vu sur l'affaire de la Rondinard ou des supermarchés à Ajaccio, le mouvement nationaliste a du mal à peser dans les faits et vous dites qu'il faut trouver une autre solution puisque les mouvements clandestins ont déposé les armes en partie. Le mouvement nationaliste aujourd'hui manque de repères idéologiques, manque de stratégie claire, affichée. Il est prisonnier de ses logiques électorales et de cet affichage présidentiel bicéphale au détriment de comportements politiques centrés sur les logiques militantes.